seconds. The diffuser is now secured. You must locate and defuse a bomb.
Signe, partir ça. Le son de gros pied est allumé. Ça, c'est good. On va éviter Ben. Wow. Ok. Castle ban. Première fois que je vois ça. Intéressant. Bon, bienvenue au pré-match de la semaine 5 de la XQL. On va commencer par une défense dans Archive pour Blizzard qui commence en défense. Une strat Mira qui va s'extendre dans Open, une strat qui ont fait assez souvent à date dans la ligue. D'ailleurs, je pense que c'est pas la seule équipe qui font cette strat-là. Mais là, ça va être intéressant. Normalement, ils utilisent un castle pour fermer la porte ici, Open. Alors, je sais pas comment ça va fonctionner pour la défense de visitants. Un débug visuel. Oui, un débug visuel à l'extérieur. Bon, ben on va faire un push lobby pour. Jeu qui joue très agressif. Xenix qui est le pire. Ozo qui fait un double kill. Agu lance à ses pieds. MXS qui va push enlever une petite partie de la vie de Bags. On est toujours assez passif. Écoutez les raisons, je pense pas qu'on soit en train de drôner.
c'est d'avoir une dé des deux côtés. Où sont les joueurs? Oh, Manesque qui se fait être deux, trois fois par. J'enfonce. Et je pense que les dommages sont échangés. Gazon vague, c'est en train de planter des fuseurs. Pendant que j'enfonce, un fuseur en fait. Un autre. Et c'est rendu 4 contre 1 des fuseurs d'armes pour la gazon. Il ne reste plus que Xana qui prend beaucoup de dégâts en rentrant en archive. Relancer une C4, sûrement avoir un connecté sur le réseau. Connecté dessus. Il va tuer. Avec C et j'enfonce, va finir par le tuer. Prison qui prend la première manche. Avec un. Plant assez calculé. Blizzard qui vont se diriger vers vers le Lockers en bas dans le fond. Dans Bank, ils vont switch un Maestro pour Jaeger. Ça leur enlève un opérateur d'information. Malgré qu'ils ont écho, j'ai pas remarqué. Du côté de Blizzard, on va changer. C'était Jackal contre une montagne. Faire des trous dans les murs de serveurs. Sans les renforcer, comme ça va les ça va permettre à Blizzard de voir les attaquants arriver dans le serveur et les empêcher de mettre une breach ou un termite. Ou poseur qui réussit à détruire un des miras. Ça va être j'enfonce qui va détruire le mur de côté. Alors que MXS reste très tranquille en haut. C'est vrai que Poseur va tenter d'aller le chercher. Il semble pas savoir où il est. MXS va le repérer. Mais Poseur va se venger. Et ça va être les 4 joueurs de Blizzard qui vont être dans la salle. Alors qu'on commence à être plus agressif du côté de la grison. Une smoke de lancer qui va ralentir le diffuse. On va retenter le defuse et ça va être encore cancellé par le smoke. En ce temps-là, on va faire
V7 sur Vags. Ouh, on lance une C4, mais elle a été détruite par le Thatcher. En plein vol. Et Vesic a quand même mis une bonne angle sur. Oh, un petit kill, j'enfonce sur le. Montagne. Mais le diffuse va réussir à aller down. Et ça va être une question de temps pour que la défense puisse reprendre le contrôle. Ça qui se fait tuer par Dunn. Et Maneski qui trade sur Vags. La moitié du temps est passée sur le diffuseur. Maneski qui réussit à avoir un premier kill sur Dunn et il réussit à tuer. J'enfonce, aurait-il le temps de diffuse? Counter diffuse. Et non, il lui manquait seulement une seconde. C'était bien joué par Manis de push les deux derniers attaquants avant de commencer à diffuser. Mais ça lui a pris un peu trop de temps et il n'y aura pas le temps de contrer le diffuseur. Cette fois-ci, on va décider de faire les murs pour Bizarre. Et on va porter un maestro en plus du écho. Et ça va être un push semblable aussi pour la Grison qui ont encore apporté leur montagne. Cette fois-ci, il n'y a pas de roamer par la Blizzard. Et ça sera un des maestros détruit pendant que le mur nord de l'objectif A sera détruit. Même que ça c'est toujours passif dans l'escalier côté garage. Et j'enfonce qui va détruire le deuxième maestro avec sa deuxième charge de hache.
On est à la recherche du drone d'ennemi. Et voilà le drone détruit. Le premier drone détruit, on va dire. On va tenter de diffuser pour Vags. Mais le deuxième écho va canceller. Alors que Manis lançait son sa première charge, sa première smoke. On retente pendant que Xenox réussit à take out Dunn. La deuxième smoke qui est partie. Ouh, et la C4 qui va take out Vags. C3v5 pour la bizarre. Xenoxirus avec une petite angle de dessus, j'enfonce. Wiz qui tente de planter, mais il se fait down. Prozor kill trade, le down. Plus que 5 secondes, et Prozor va jouer le ratio. Allô? Allô? Ah, bonjour Ben. Ça fait un bout que t'étais parti. Moi je t'ai su. 2-0 je présente. Gugu. Ouais, c'était 2-0. C'est rendu 2-1. Ah. Parce qu'il y a un retour de genre. Hein? Une manche. Ah, okay. Ah fuck, ok, on peut pas co-caster, c'est ça. Ouais. Je pourrais le Ouais. descendre. Tu prêt si tu mets le seul? Ouais. Pour ça, il faudrait genre que je stream sur Mixer à partir de ma Xbox. Puis après que je pogne de mon ordi pour. Ouais, ça serait trop compliqué. Hein. Genre que je stream l'écran de Mixer sur Twitch. Ok, laisse faire. Laisse faire, c'est bon ça. C'est bon. Mais sinon, qu'est-ce que je pourrais faire, c'est baisser le. Ben, si tu veux, là. Ouais. Ah, c'est nice, le nouveau truc de Diffuse. Ouais, puis on changeait aussi la place où les kills apparaissent, ça me fuck up un Ouais, peu, non? ouais. Ben, je sais pas, j'ai envie d'utiliser. Genre, ça me dérange pas trop, mais comme je comprends pas c'est quoi l'utilité. Ben, c'est, j'imagine, genre, que les, comme le truc, comme le diffuse, il apparaît en haut. Ils sont faits hors manqués, ok. Ils sont tous manqués, là? C'est vrai qu'ils disaient pas. Je peux pas en dire encore là. Peut-être qu'il y en a qui s'y pas. On va pas faire l'accusation sur ton stream. Ouais. Même si t'as déjà fait. Donne avec le RIP. kill sur Xenox. My bad si je te fais des calls pis t'es juste pas rendu là. Non, là, la ronde va finir. 2-1. Ok, je suis genre à moitié de la manche d'après. Ok. Et je pourrais joindre un groupe. On ne pose pas qui. Chasse examen. Au pire, après la première map, tu changeras de délai, puis je checkerai. Je pense pas qu'ils vont Ouais. stream 5. Je suis à checker les gens qui regardent le stream. À date, il y a Axis. Je sais pas qui d'autre. Puis il y a Slow Cool.
C'est Ah, pas tu mal de ce devrais qu'on mettre pense. Commander Root modérateur. Oui. Y en a qui se fait écart par pour ça, évidemment. Je vais voir autre chose, je reviens tantôt. C'est good, tu te muteras juste pour. Ok, tu m'as-tu parlé? Ouais, tu te muteras. Ok, genre déco. Oui. J'ai enlevé mon fil au complet pour être sûr. Puis C'est good. tu me texteras okay, après la première map. Le écho qui manque son. Par exemple, le mur qui est pas très bien fait pour la vision. Il reste plus que Vizy pour sauver la manche en 4 contre 1. Ce qui serait très probable. Il prend beaucoup de dégâts de Wiz qui finit par l'achever. Et c'est rendu 3-1 pour la guérison. On va retenter une défense Teller's Office et Archive. On garde la même composition du côté de la Grison, mais Blizzard qui apporte un Lésion au lieu du Pulse et un Bandit au lieu du Loot. Pas l'air à vouloir retenter une défense agrandie dans Open avec les Mira. Sûrement à cause qu'il n'y a pas de casse. La grison qui spawn côté ruelle. Personne au bizarre sont toutes sur le même plancher que l'objectif. Manix qui va peut-être tenter un runout, non? Il a peut-être pensé. On est rendu les 5 proches de l'objectif pendant que Manix MX et Don, je crois. Étaient tous deux très proches l'un de l'autre. Mais rien va se passer. Oh, vas-y qui prend beaucoup de dégâts. Je crois que c'est Jean-Paul Moussa à travers le plancher qui tentait peut-être de détruire un lésion.
On est déjà droppé dans Open pour la guérison. MXS qui joue très patiemment dans le petit recoin et va finir par sortir de son coin. Manis aussi qui joue dans le corridor. Mais Super J'enfonce va le détourner. Il reste que MXS qui est coincé dans le coude de cristal. Et c'est Poseur qui va l'achever. Plus que deux défenseurs qui sont dans l'objectif. Xenox. Mais il reste que 15 secondes. Dunn qui va tuer après un reporter. Oui, J'enfonce qui va rusher le kill et finir la manche sur Vezzy. Ça aurait pu être dangereux pour la Grison. S'il restait un petit peu moins de temps ou que J'enfonce n'aurait pas pensé d'aller attaquer directement le Echo, Vezzy aurait pu sauver la manche en annulant le plant du diffuseur. Ça me prendrait vraiment un autre terme pour entre diffuser en attaque puis counter le diffuser en défense comme quand tu le pètes, tu vois. Poseur qui se ramasse avec Dokkaebi. Va reprendre son Twitch comme les dernières manches. Et ça va être Blizzard qui vont retourner en bas pour leur dernière manche de défense. On ramène la même composition qu'avant. Que celles qui ont utilisé plus tôt. On fait un push. Un seul roamer qui est MXS sur le plancher. On va voir s'il va réussir à déranger l'agression assez pour leur faire perdre la manche. Poseur qui détruit encore le Mira dans le corridor entre les deux salles. Ouh, Xenox qui réussit un kill très important sur le termite de l'agression. Et on dirait que ça va être un rotate vers un autre endroit. On va faire. Est en train de déterminer quelle serait la meilleure rang d'attaque. Moi qu'on essaie de. Oui, on essaie de détrôner le Jäger qui est sur le top floor. Est-ce qu'il va trouver le kill sur MXS et ça va être 4v4, les 4 défenseurs sur le même plancher que l'objectif. Poseur déjà descendu dans l'ascenseur. J'enfonce qui se fait écorcher par Manis. Et Poseur qui trade un kill sur Xana qui le tue avec sa C4. Il reste qu'une minute et c'est 2v3 pour le bizarre.
Manis qui manque, tout juste bonne. Ouh, Maneski s'arrête juste de regarder au moment que Grison Blizz pique. Et plus que 30 secondes, 2v2. Et on a deux counter diffuseurs. Deux opérateurs qui peuvent empêcher le diffuse. Blizz qui va descendre dans l'ascenseur, donne dans Vault. Donne qui va se faire tuer par Xenox. Et qui va finir la manche avec un kill sur Wiz. Ça va être 4-2 pour le changement de côté. On va décider d'apporter un IQ en voyant qu'on utilise beaucoup de gadgets en défense pour la Grison. Je vous rappelle que IBAN a été ban, c'est pour ça qu'il n'est pas utilisé. Et on va presque tout spawner du côté de la ruelle. Pour la bizarre. Xana qui est déjà rentré dans Office. Office Open Space. Cependant, il est tout seul. Et il va aller directement détruire les trappes par-dessus la salle. Une double encounter. Jean-François qui décide de jouer très agressif dans Blue Stairs et qui va se faire take out. Je crois que c'était par Xenox. Jean-François qui va réussir à avoir un kill sur Xenox. Et MXS qui va rotate pour aller le chercher. Oh, Maze. Pour ceux qui va gagner son fight. C'est rendu 4 contre 2. Et pour ceux qui va
décider de retourner vers l'objectif ou non. Il voit que les portes sont fermées et il va retourner complètement en haut. Bizarre qu'il a l'air décidé à vouloir attaquer par les trappes. Ils vont plutôt retourner vers. Il reste plus que Vezzy, mais avec 1 seconde avant la fin de la manche. C'est Grison qui s'en sort indemne pour cette manche. Guérison qui va se diriger vers Archive pour leur deuxième défense. Ils vont devoir bien protéger le dernier étage parce que les autres ont décidé d'apporter un buck. Closer va être sur le coup. Cette manche. Ouh, c'est Nox qui va avoir un kill chanceux sur Wiz à travers le mur. Alors que MXS va avoir un kill sur. J'enfonce. Fait que Blizzard qui ont pris le contrôle total du deuxième étage et je vois que le Blitz est très près du dessus. Qui va juste avoir 30 de kills sur Manis. Qui s'en allait faire le mur de. Je connais plus les noms de salle telleuse. Mais on est rentré dans la salle. Vas-y, est rentré dans la salle pour défuse. Mais pour ceux qui et qui réussit à down aussi un deuxième opérateur. Donc qui va finir le kill. On a Xana qui est encore au deuxième plancher, mais qui n'a pas fait tant de travail que ça. Don qui finit MXS qui était très loin en vie.
Tana qui retourne vers la salle et c'est Don qui va avoir un peu de trouble à suivre Xana, mais pour lui venir en aide et finir les kills. Mix. Mix pour MXS. Ouais. Fraser. Ok. Moi, je pensais que c'était Poser. Mais bon, c'est pas grave. Si c'est Fraser, je vais changer pour Fraser. Oh, mais Grison qui se ramasse en match point. Ils vont se diriger vers CEO Office. Mix qui va changer de Blackbird à Montagne. Mais je sais pas à quoi ce changement. On pense peut-être que Grison va se diriger vers Open. Parce que ça pourrait être une combinaison mix, je dirais. Pour la composition des Grison. Ça pourrait très bien être Open ou en haut. Oh, un shield intéressant qui va être placé près des ascenseurs, près du lobby. Avec les deux murs renforcés du côté du lobby. Et on va pousser du côté est. Vas-y, qui semble essayer d'avoir un angle, un petit kill rapide sur le dock de Jean-Fonce. Ne trouvera pas, par exemple. Et c'est Mix qui est assez agressif avec son montagne. Et j'enfonce qui voit le la beat charge de Ash qui va se sauver. On dirait que ça l'a manqué et le shield n'a pas pété. Et Xenox va finalement réussir à décamper j'enfonce. Pendant que Xana se dirige pour vers le mur, mais Vags prête à Hunter. Poser qui est sur un rotate dans la cuisine va réussir à avoir un kill sur Xenox. Alors un kill Xana va faire un premier kill dans de la salle CEO. Il va faire le. Il va se préparer pour le deuxième, mais Vex il va détruire la charge de Termite avec une grenade au-dessus du mur. Wiz qui veut à tuer la montagne de mixer. De mix. Et ça va être maintenant 3 contre 3 avec Manis qui réussit à avoir un kill sur Grison. Xana qui va aller pour un diffuse dans la smoke. Est-ce que Don va réussir à trouver un angle? Non. Et ça va être un diffuse qui va fonctionner. Don qui descend Xana.
Don qui va tuer. En counter diffuse. Par vague, c'est pour ceux qui vont réussir à avoir le dernier kill sur Manis. Ça va être Grison qui va gagner la première map de Bank. Et on va se diriger maintenant sur Consulat avec une avance pour la Grison. Prozor qui va mener dans le kill à 15. Sinon, ça reste assez bien distribué. Il y a seulement Vags et Vezi qui sont à 1 et 0, respectivement. Ok, voyons voir. Prochaine map, c'était Consulat. Ok, maintenant on va voir qui commençait. En attaque, en défense. Ok, on demande une petite pause du côté de la liaison entre les deux matchs. Ça va me donner le temps de mettre le résultat sur la page Facebook. Bon, on m'a pas encore répondu pour défense attaque. Ok, on est prête pour commencer le match.
Sur console. Bon, les bans. En ce moment, Termite, premier ban. Jackal comme deuxième ban. Jackal qui était joué toutes les manches, je crois, pour les guérisons. La plupart des manches pour les attaques de la guérison. Termite, Storm Arbiter, fait que. C'est un ban assez commun, je dirais. Sinon, Ella et Valkyrie qui vont être ban en défense. Et on va commencer par une défense dans le garage pour la guérison. Poser et j'enfonce qui vont être sur le roaming. Pour les bizarres, ça va se diriger vers un push au deuxième étage. Au premier étage, c'est le garage et le sous-sol. C'est là qui va faire un push vers Blue Stairs, Yellow Stairs va prendre 75% de dégâts et Prozor qui va essayer de rassembler. Et j'enfonce qui va réussir à le finir. Xenox qui va trouver Prozor au deuxième étage et se dirige vers j'enfonce dans Yellow Stairs.
Xenoxirus a trouvé le petit temps que j'enfonce couvrait. Et ça va être les Roamer Down. Les trappes sont déjà ouvertes pour la désordre. On va essayer de trouver des petits pics. Voir si on peut être chanceux et trouver. Oui, Xenoxy trouve Wiz. Donc on est déjà descendu. Je crois que Xenox qui trouve aussi Vags, il ne reste plus que Dawn, alors qu'on rentre directement dans la salle. Pour la bizarre. Et ça va être Xenox qui va faire les 5 kills, ça va être un ace de Xenox. La grison qui vont se diriger au top floor pour faire leur deuxième défense. Vont apporter un castle et vont renforcer le mur de. Je me rappelle exactement du nom de la salle, je pense que c'est administration. Qui va tenter un petit pic sur le spawn. Xenox qui a repéré le pulse. Va tenter d'avoir un petit kill sur lui, mais. Super, j'enfonce qui se trouve une. Le pôle de recoin pour se cacher. Ça va être Xayah qui a perdu déjà 25% de vie. Qui va être aidé par Xenox pour push Jean-Fonce. Et c'est Xenox qui va trouver Jean-Fonce au fond des archives. Je pense qu'il faut essayer de mettre une ou deux balles sur Xenox. Mais Xenox va essayer de le push et le finir. Il ne reste que les trois derniers holders de la salle. Ils sont full life. Blizzard qui ont pris des dégâts.
Wills qui va réussir à take out. Ouh! Vax qui va observer dans le mauvais coin et se faire take out par Zenox qui est en train de droner. Zondon qui tient un angle étrange. Wills qui va descendre un des joueurs de. Ouh! Wills qui va aller pour la knife sur le joueur qui est dans. Va manquer une coupe de balle sur le fusil. Mais Don va prendre la kill revanche et Don qui va finir Zenox avec un lésion. Qui était très rapide à la fin, avec des kills qui s'échangeaient de tous côtés. Mais c'est Grison qui vont ressortir vainqueurs et vont égaliser la marque. Et ça va être une deuxième tentative de défense dans le garage. Au Grison. C'est pour ça, par exemple, on va prendre un opérateur qui pousse présent. C'est à se demander s'il va retourner le roamer ou qu'il va hold la salle. On dirait qu'on va encore pusher le lobby et il y a seulement que j'en fonce et Wiz. Ils sont top floor complètement. Bonsoir. Oh, allô, Ben. J'ai remis le délai parce que j'ai vu que t'avais. Ah, excuse. Bon, c'est correct. Si, on Tu a-tu seras pas gagné un la compétitif. première map? Ouais, ils ont gagné 7-2. Nice. 7-2, ok, fait que c'était 2-1 quand je suis parti. Oh shit! Ouais. Oh! François! Non! C'est là que ça marche directement à côté de Wiz, de Jean-Fonce, mais Jean-Fonce qui réagit trop Donne le fort. clutch! Ouais. Et là, tu parles par-dessus mon commentary. Excuse. C'est correct. Bon, mais j'en pense qu'il va retourner dans la salle complètement. Et qu'il va laisser le champ libre pour s'attaquer. Hein. J'ai la savoir. Je vois. J'ai hâte. J'espère qu'elle t'écoute pas, genre avec le son ouvert sur ton stream. Non. M'entendre me répéter, genre.
tenter un push côté cantine. J'avance, ça s'approche lentement. Et va tuer Vessi qui avait le diffuseur. Je sais pas s'il l'a remarqué par exemple. Vikes qui va se faire take out par. Mais on n'a pas le diffuseur pour. MLS. MLS qui trouve un angle intéressant, mais il va se faire take out par Dunn. Xana qui rentre directement dans le sang. Et tout seul va essayer de planter. Mais Dunn qui va le finir. Il y a qui prennent l'avance et c'est Lux qui tente aussi bien que mal de tenir son équipe dans la partie. On est-ce gagné, ce round? Oui! C'est rendu 2-1. Ayant gagné une manche, lors de. Blablabla. Ayant gagné. Kirson qui gagne leurs deux dernières manches de défense, on va devoir se diriger vers une défense de lobby. Lobby, la salle du piano. Qui s'appelle le Press Room. Et on dirait qu'on Blizzard va encore faire un entry par. Non, par administration. Mais toujours du côté est. Xenox qui va trouver un kill rapide de supposer. Dans la Kazana est déjà en train de. Il est déjà rentré en haut. Personne. Je pense pas qu'il y ait personne en haut. Tout le monde est au deuxième étage. Au premier étage. MXS qui va trouver un angle sur le écho, mais il va manquer la plupart de ses balles. Il y a l'angle sur l'écho, mais l'écho qui décide de rester à la même place. Et il va seulement se faire tuer. Pendant ce temps-là, Xana qui va diffuser directement dans le coup de la porte. Alors que Xenox se couche de la salle. Qui tente un flingue après avoir dropé par la salle, mais va se faire take-off par Xenops. Xenops qui va faire un deuxième kill volé par Malice. Et ce qui laisse Dunn en 1v4 avec la moitié du temps sur le diffuseur fini.
Peux-tu remettre le délai? Ça prend-tu du temps? Le délai En fait, je vais l'enlever. Je veux ben, dire, si je l'enlève, ça va skip la fin du de la temps, game. genre. Ah, C'est que si je ok. l'enlève, ça va genre juste skip à où que je suis rendu. Il va se Fait que je vais faire, se enlever le faire. marche complet. Bon, ben, Blizzard qui gagne la manche pour retourner à l'égalité. Donc ils vont retourner en haut pour faire leur avant-dernière défense. Écho, Ben. Excuse. C'est correct. Au pire, est-ce que tu écoutes genre ma voix sur le stream ou dans le groupe? Non, mais ça devait être parce que j'étais mute. Ouais. Non, ben c'est juste pour te demander, genre si tu écoutes le stream, sors du groupe, genre, puis je te réinviterai à la fin. Ok, ouais. Je peux, me semble que. Je préférerais ça. Zenox qui veut aller directement directement à A. Ce qui est drôle, c'est qu'il n'y a aucun opérateur sur l'objectif. Et on dirait que c'est exactement ça. Qu'on est en train de call. C'est Nox qui est. Je tente presque de rentrer directement dans la salle. Et c'est fait, il rentre dans la salle. Sans contestation. Et il va trouver Wiz. Pendant que Menace trouve le genre rose. Nox qui a contrôle complet de la salle. Et Vezi qui est encore près d'administration. Va se diriger vers les fenêtres de meeting. Pour aller planter direct. Franchement, on met pas de pression du côté de la grison. On sait que. On est prêt à planter. Et oh! Les drones des cookies sont complètement détruits. Ils sont occupés à les down, il ne reste plus que Bags qui va se faire take out par Xana dans la fenêtre du connecteur. Blizzard qui vont prendre l'avance.
hackers need to locate and defuse bombs. Bon, pour leur dernière défense, c'est qu'ils ont qui vont retourner vers le garage. Ils vont apporter un clash qui tout justement buff. C'est les mitrailleurs qui est maintenant rendu automatique. On va se poser pour réussir à contrôler le recul qui est apparemment très puissant, très élevé, on va dire. Si on peut voir un petit... Non? Oui? Trouve pas le drone. C'est Nox qui... s'approche de Yellowsters. Très grand chose à voir pour le moment. Un combat entre la Clash et Sophia. Sophia qui se concusse elle-même. Les mecs se rentrent dans le conference room. Sûrement pas, je suis sûr. J'enfonce dans la salle de bain. Alors que la bulle aussi est très près de se tenter. Et va manquer son tir sur le Black Bird qui va le tenter assez facilement. Il y a son Wiz qui va retuer Sauvanis. On va esquiver là c'est le dernier roamer avec le contrôle du top floor. On va essayer aussi à mettre quelques balles sur le H de Xenox. Votre antenne C4 qui va me complètement manquer. C'est bon. Pour ceux qui réussissent à avoir un kill, va tenter d'avoir le kill sur Xana, mais Xana qui va se faire cancel son diffuse par le Echo et n'aura pas le temps de retenter le diffuse. Grison qui va gagner la manche et apporter à égalité 3-3 pour le changement de côté. Les ors qui vont se diriger vers
garage pour leur première défense. Sans pas avoir de spawn kill. Non. On voit seulement un roamer pour Blizzard. Les quatre autres vont être dans la salle. MXS qui surveille l'escalier. Mais Wiz qui ne prend pas la chance de regarder derrière lui et va se faire take out facilement par Mix. Ah, Xenox aussi qui est monté par Yellowstairs. Va peut-être se faire prendre par surprise par Poser. Prazer. Mais c'est Xenox qui va pour un kill en premier sur. J'en pense. Et il va se diriger vers Yellowstairs. Alors que Mix est encore au top floor. Vax et Dunn qui vont commencer à push dans le lobby pour aller faire les trappes. Et Prozer qui va retourner en top floor pour essayer peut-être de trouver le kill sur Mix. Mix, je crois, vient de lancer sa séquence. L'aura manqué. Il se retrouve coincé dans le coin de l'administration. On va trouver un kill sur Vags. Et plus que 45 secondes avec Mix qui gruge beaucoup de temps pour la grison. Et ça va être les smokes qui vont être commencés à être lancés. Mix qui va commencer à faire son rotate vers la salle, sachant qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Grisondon qui va se faire take out par Manis par la trappe, et il ne reste plus que Prozer qui va encore jouer le ratio. Plus grand chance, mais Mix va trouver le kill. Et ça va être Blizzard qui va prendre les devants 4 à 3.
Don qui trouve un kill rapide sur Xenox. Que j'ai manqué complètement. Ah, je crois que c'est un run-out sur le balcon. Ouh, pour eux qui auraient pu se ramasser en situation dangereuse à cause de Mix qui descendait à Yellowstones, a décidé de renoncer. Et Frozo qui va se faire kill pareil par Mix. On va voir si on va essayer de chase Mix, de chasser Mix complètement en deux, en bas. Si on va plutôt s'occuper de la salle. Est-ce qu'il trouve qui prend l'angle du connecteur pour détruire Onira? Alors que Mix est en train de se rapprocher du Yellow Stairs, mais j'enfonce les rangs en haut. J'enfonce qui détruit le mur de Office. Mix, il devrait pas être loin de lui. Oh, va repérer la C4, la Claymore. Mais va pas attaquer l'extérieur. Va plutôt de assis de C4. Mais va pas la place à la bonne place et ça va être diffuser down pour la Grison. Mais qui s'y trouve le premier kill sur Grison. Sur j'enfonce. Vagski fait le kill sur Mix et c'est un trade entre Grison et Vezzy qui va finir la manche. Si on n'attend pas de smart kill, on a encore Mix complètement en bas dans le garage et les quatre autres opérateurs de Blizzard sur le top floor. On dirait qu'on va plus aller du côté de l'administration pour le push. Offensive. Oh,
Bowser qui va tenter de briser le mur, mais va manquer son taser. Et vas-y, va détruire le drone. J'enfonce qu'il va plutôt entry dans Visa. Xenox qui était dans l'escalier a décidé de retraiter vers l'objectif. Mais Mix qui est encore en train de rouler proche de l'escalier spirale, mais en bas. Prazer qui, je crois, rentrer dans un fight avec Mix. J'ai entendu une charge de banane. Je sais pas où que ça s'est placé. Ouh, Ibana qui va se faire attaquer contre Xenox. Et Xenox peut réussir à trouver quelques balles sur Wiz à faire un. Ouh, Wiz qui va tenter de pique pendant qu'il est en train de mettre son shield. Il va se faire take out par Vizzy. Manny va take out de. Je pense que c'est Mixless qui va take out, je pense, je veux dire. Et il ne reste plus que pour eux. Pour eux. Il va s'échapper un de ces quatre. Et avec 10 secondes, il va se diriger pour le ratio. Il va trouver un premier kill sur Mix. Et ouh, va, va down l'Amira et tuer Manis. Même s'il aurait tué les deux, il en restait un sur l'objectif qui aurait gagné la manche pour Bizarre. De toute manière. Blizzard qui mène 5-4, mais c'est un match beaucoup plus serré que le premier, où ça l'a fini 7-2 pour Grison sur Bank. Grison qui vont maintenant opter pour un Glaz et un Capitao. Pendant que Blizzard doivent défendre le garage. Et on dirait que ça va être un push sur la porte de garage directement. Qu'on va faire. Et ça va être les trois charges banales qui vont exploser le mur à droite. Alors que Wiz va pusher directement dans la salle pour rencontrer le maestro, attirer trois personnes sur lui. Il va être dans un embarras total et ça va être Manis qui va le finir. Pendant que Vex va commencer à diffuser.
Mais Xana qui va réussir à le finir. Et la smoke qui va... Je crois que Xana l'a descendu et la smoke qui va le finir. Blizzard qui se ramasse un avantageux, 5 contre 3. En ce début de manche, ça dire la moitié. Et Xenox qui semble assez d'avoir un angle sur le port de garage par la salle de conférence. Don qui va réussir à take out Manis, qui était complètement à découvert. Alors que j'enfonce et rentré Yellow Stairs. Mais il y a Mix qui est pas très loin, semble l'avoir entendu. Oui. Xenox qui va repénérer Plozo qui rentre direct dans la salle. Va tenter le diffuse. Et ça va être un push dans le Vax. De Xenox qui va tuer, j'enfonce, tuer Plozo qui plantait. Et c'est Nebuka Dom qui est très bas en vie. Qui doit clutch un 1v4, mais Xenox va le take out. Et c'est Blizzard qui se ramasse sur leur match point. Sur consulat. Avec Xenox qui a 18 kills. Qui a eu seulement légèrement son équipe. Malgré que Mix et Manis se débrouillent assez bien aussi avec 8 kills chacun. Du côté de la grison, on a Don à 9. Et sinon, c'est à... C'est quand même assez bien balancé. Vax qui est peut-être un petit peu plus en arrière, avec seulement 2. Blizzard qui vont devoir faire une défense du lobby après avoir gagné en haut et en bas. Il aurait pu aussi choisir la deuxième objectif qui est archive et la petite salle d'otage ici. Je ne me rappelle pas vraiment le nom. Mais qui est encore assez nouvelle, puis je pense pas qu'on a découvert. Vraiment d'utilité encore. On n'a pas confiance en cette salle encore. Ça va être un clash contre une montagne. Oh! Pour ceux qui veulent. Aller directement pour un diffuse, on dirait. La manière qu'on se dirige avec les deux smoke out. Zombies qui se fait tirer par le topo, je crois. Non, c'est Xenox avec son flash qui va le tuer. Et qui va être trade. Sur le topo, il n'y a pas personne qui regarde par la trappe. Mix qui prépare la fenêtre pour un run-out, mais Prozo qui va s'enfuir sur le toit. Don qui va se faire take-out par Xana. Xana qui était sur le top floor, simplement piqué par la fenêtre. Prozo qui sur le top floor, à la recherche des roamers.
se dirige tranquillement vers. Ou va repérer Xana, va push la salle et va être attiré par les bandits et Mix va prendre la chance de tuer Fraser. Il ne reste plus que Vags et j'enfonce. Vags qui va être touché par le assaut et c'est la smoke qui va finir de Manis. C'est 4 lancés, ça ne va pas être assez loin. Mais Grison qui se ramasse en. J'enfonce qui se ramasse en 1v3. Avec une minute à faire sur la manche décisive de Blizzard. Mix qui va aller à la rencontre de J'enfonce pour feu. Donc J'enfonce ce combat avec les deux personnes en bas et Mix qui va finir le kill. Sur J'enfonce pour gagner la manche et la map pour Blizzard. Alors ça va finir cette rencontre avec une égalité. Pour les deux skips, bien sûr. Avec chacun qui gagne une map. La première map, c'était sur Banks où Grison a remporté la victoire 7-2. Et maintenant, Blizzard qui remporte la deuxième map sur Consula à 7-4. Zenos qui a joué un très bon match, il était rendu à 18 kills, j'ai pas eu le temps de remarquer, il était rendu à combien? Sûrement à 19-20 environ. Et ça va être tout pour aujourd'hui. On a 3 autres matchs cette semaine qui devraient s'en venir. Un assuré samedi qui est entre GoldenEye et GoldenEye et Flix si je me rappelle bien. Sinon on a aussi les rencontres entre laissez-moi sortir ça. Les rencontres entre Toast et TCX et Raven contre Lunatix. On a seulement le match GoldenEye et Flix qui est à 8h30 ce samedi. Les deux autres sont encore à être placés. Je crois que Lunatix et Raven s'est entendu pour jouer dimanche. Mais on n'a pas encore d'heure et... Tos et TCX, il y a des conflits d'horaire, fait qu'on ne sait pas encore s'ils vont jouer cette semaine ou la semaine prochaine. Mais la plupart des matchs vont être streamés et castés, soit par moi ou par un de mes collègues. Si c'est pas moi, ben, je vais être en train de hoster certains. Puis ben ça se peut aussi que il y ait personne pour caster les matchs. Parce qu'en fin de semaine, c'est je pense que c'est le LAN de l'ETS. Fait qu'il n'y avait pas grande. Je pense qu'il y avait un de nos casters qui allait. Les autres, je sais pas. Alors, si vous voulez en savoir plus sur la ligue et tout ça, le groupe Facebook va être dans les. Le chat du stream. Puis, merci d'être passé. Et ça va être tout pour aujourd'hui. Salut là.